Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de l'aventure dans Spiritfarer. On était en train de faire la chasse à Giovanni, et comme prévu, j'en ai profité en off de la nuit pour réorganiser le bateau et faire un peu d'artisanat. On va tout de suite aller voir ce qu'il nous reste à faire en jeu. Donc, on est le matin, on sonne la cloche. Notre chère Alice a faim. Et je suis pas sûre d'avoir fait un petit repas comme il faut. Ouh là là. Pâté au poisson. Un repas à l'ancienne, c'est comme une couverture chaude. Quelque chose pour la nuit froide. Et on en profite, on lui fait un câlin. Oh, il a très faim. Bah, je vais te donner le repas exotique parce que t'es le seul à manger de l'exotique, il me semble. Le service est incroyable sur ce bateau. Et on te fait également un câlin. Ai-je un repas simple? Poisson grillé? Ouais, c'est bien ce que je craignais. Je t'en ai déjà donné. Ah bah, tant pis pour toi. Alors du coup, toi, il faut qu'on s'occupe de toi. Et d'ailleurs, où est Summer? Elle n'est pas chez elle. Elle n'est pas ici. Elle n'est pas dans le jardin. Elle est là. Bah oui, à un moment, t'as pas faim? Non, elle a pas faim. Je peux lui parler. Je joue de la musique pour les plantes. Est-ce que je devrais arrêter? Non, bah... Continue, continue. Laisse pousser nos plantes. On va s'occuper de ça plus tard. Donc, je papote, mais le bateau n'avance pas. On va donc. C'est déjà prêt ça? Sérieux? C'est rapide. On va aller là, chez Albert, améliorer un peu notre bateau. Donc j'ai mis. Oui, attends, je vais te faire à manger. J'ai mis les deux moutons côte à côte. Qu'est-ce que je peux faire de simple? Donc je connais la recette. Hein. Un dessert. J'entends un tulle qui fait des bruits. Ça c'est pas simple. Ça c'est pas simple. Petit déjeuner. Bah essayons de faire quelque chose. Une côtelette avec du gras. Alors j'entends Atul faire des bruits. Atul. Bah non, juste tu fais des bruits. Ok. On va planter de la laitue, on en a plein. Hop, j'ai du coup mis le verger juste au-dessus. Je pense pas avoir. Ah non, il n'y a que deux emplacements de toute façon. Faut rien mettre de plus. Là, il n'y a pas d'emplacement. Et ici, on arrose, on récolte, et on récolte. Du riz, du lin, un petit peu de lin. Un petit peu. Et ça fera le taf. T'es presque prêt. Le timing est parfait. J'entends mon mouton qui bêle. Aurait-il faim?
Un mijoté. Le mijoté est-il simple? C'est ça. J'ai une chance. Mijoté, réconfortant. Peut-être manger ça du coup. Je te donne un mijoté. Ouais. J'ai pas essayé peut-être. Enfin, je sais plus si j'ai essayé. Le donner en dessert. Lui, il n'y a pas forcément spécialement faim. Et lui, un petit peu faim. Je te nourris. Voilà mon gars. Donc l'objectif, c'était d'aller chez Albert pour améliorer notre bateau tout simplement. Pendant qu'on était dans le coin. Ho ho! Tu as un magnifique verger rempli de pommes! Tu sais qu'il y a un farceur qui s'y cache! Oui, il nous en fait voir des vertes et des pas mûres! Ho 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 ho! Donc lui parler, ça n'a pas d'intérêt. Donc on peut augmenter pour obtenir un poulailler, un salon et un concasseur. Ici, je n'ai pas les sous. Et ici, ça m'intéresse beaucoup plus. Faire avancer le bateau plus vite. Donc on prend ça. Je pense que j'aurais pas... Oui. Clairement, on n'a pas ce qu'il faut. Et on va prendre ça également, du coup, vu qu'on a les sous. Et ensuite, la poudre de Phyllis et du lingot de zinc. On est loin, loin, loin. Il manque encore un petit paquet, mais vous voyez, ce sera les derniers niveaux. Alors que là, on a encore plein de niveaux à gérer. Et il n'a rien à nous dire de particulier. C'est parfait. On a pu améliorer un petit peu notre bateau. C'était pas forcément une tâche, mais au moins on sait ce qu'on a à faire. On a toujours notre bureau à faire pour Atul. On a toujours ce souci qu'on n'a pas de lingot d'aluminium. Parce qu'on n'a pas trouvé le dragon qui va bien. Ça c'est le dragon de quartz. Essayer de trouver ce dragon. Donc ici on sait qu'on a des choses à faire là. On va peut-être aller par là, côté Ikarishima, explorer un peu cette zone là. On aura peut-être une chance. Ici on peut pas y aller pour l'instant. On a Masha ici. Donc pour l'instant on n'a pas ce qu'il faut pour traverser ici. D'ailleurs j'en profitais pendant qu'on est là pour le montrer. Il va nous falloir quoi que pour l'instant on a le brise-glace déjà. On peut peut-être aller sur certains endroits. Ça sera le destructeur de roches le prochain. Ça fait avancer. Ça fait disparaître les tâches. Les tâches. Les tâches. Ok, donc moi c'est surtout le destructeur de roches qui va nous intéresser. Mais en fait, peut-être que vu qu'on a déjà le brise-glace, on peut peut-être aller un peu plus loin que ce que je pensais. Ah, il n'empêche que dans tous les cas, on va passer par Alex. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait peut-être... Ici, ça serait de la glace, et ici, ça serait de la roche. Ce qui veut dire que cette ligne-là, on ne peut pas la franchir, mais celle-ci, on va peut-être pouvoir... Et on va peut-être, du coup, pouvoir trouver notre dragon d'aluminium. Et aussi, du coup, la collectionneuse qui est en 150, je ne sais plus combien... Donc, premier objectif, l'arrêt de bus.
On va en profiter pour cuisiner un peu. Qu'est-ce que je peux faire avec ma côtelette? Je crois que j'ai déjà fait avec des carottes, des choses du genre. Et j'ai pas forcément... Tu vas me dire, je peux faire une côtelette, juste côtelette, hein. Comme ça, il y a un certain Atul qui sera content. Et nous aussi. On entend Alex qui arrive. On veut voyager. On pourrait discuter avec lui. Mais moi, je veux surtout voyager. C'est vrai qu'il y a un coffre ici qu'on n'a pas été faire. Faudra y penser. Surtout, il y a un coffre à plan. Il va nous être un peu utile, un plan. Ah, oh, c'est déjà quasiment la nuit, c'est une horreur. Oh, elle est là. Ça cuit tranquillement. Ça commence à être grand, grand ce bateau. À récolter en plus. On arrive à la Villa Major. Ça, c'est clairement du bonus. Hein. Se faire plaisir. Allez, je vais planter un peu de café. J'ai peut-être quelqu'un qui aime le café après tout. Hein. Faire tiens du café. Café. On a rien à mettre dans le café. Je vais faire un peu plus que un. C'est vraiment ultra rapide le café. Tic tac tic tac tic tac. Voilà, un petit peu de café. On a vu le mouton faire splouf. Devenir tout fluffy d'un coup. De toute façon, c'est la nuit, donc le bateau va pas avancer. Donc autant visiter un peu la Villa Major, où il nous restait des choses à récupérer, dont un coffre à plan. Voilà, petite quête. Jeune enfant. Ça y est, j'ai élucidé l'affaire. Cette porte est désormais ouverte. Je peux maintenant me reposer, sachant où je sais me reposer. De la fortune à la rue, toute cette histoire m'a secoué. Je voulais seulement être riche. Mais non, le destin s'est mêlé. Mais ma nouvelle vie est plus précieuse. Je vais cultiver cette terre. Je régnerai maître sur ses légumes. Je suis le jardinier de ma propre vie. Et on a une amélioration du jardin. Et de mémoire, le coffre qui nous manque était tout caché tout en haut. On n'arrivait pas à l'atteindre. Ça, je peux pas. Je peux même pas grimper là. Donc c'est vraiment, il faut partir d'en haut de ce dédale de lumière. Hop. Je vais un peu vite.
veux juste vérifier si on peut, d'une manière ou d'une autre peut-être. Non, je peux pas. Je peux. Je la vois pas l'astuce. Je peux monter là. Même pas. Là, comme ça, je vois pas l'astuce. Sachant qu'ici, je peux pas monter. Hein. Je peux pas monter plus haut. Il y a peut-être une autre astuce, hein, ailleurs. Une astuce qui me permettrait, par exemple... Je suis où? Je suis là. Qui me permettrait d'arriver sur le toit. C'est une astuce de ce genre-là. On va vérifier. Pas ici. Je peux arriver ici, mais il n'y a pas d'astuce pour arriver sur ce toit. Je l'ai pas l'astuce, donc on verra plus tard. C'est pas très grave. En tout cas, on a récupéré le plan, c'est ce qu'on voulait. On va pas dire qu'on voulait pas un petit peu de thune en plus, hein, mais là, je vois pas l'astuce, donc. Je vais pas forcer. Et là, ça me permet d'aller où? Ça me permet d'aller de l'autre côté. Ici. Qui me permet juste, entre guillemets, d'arriver là. Ouais, je pense que l'astuce sera quand j'aurai le pouvoir qui me permettra de sauter là-dessus. D'ailleurs, faut que je regarde. Non, j'ai déjà... Combien de... Bah, regardez combien de bols on a. Mais je pense pas qu'on ait de sanctuaire. Donc ça va être dans mes objets précieux. J'ai une obole. Donc comme prévu, il fait trop noir pour naviguer. On va faire un peu le point. Niveau des requêtes, il faut un bureau, il faut du poulet frit, il faut que notre arbre pousse dans notre verger, le sort d'Olga, on est en train d'y aller, le musée, on va y aller, et le dragon d'aluminium, eh ben, on va essayer de le trouver, c'est l'objectif. On voit que l'aluminium commence à nous manquer. Et tout le monde dort sur ce bateau, c'est parfait. Sauf nous, bien évidemment. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour pêcher un peu? Même si je suis toujours aussi pas doué avec la pêche. C'est vrai que ça nous permet d'avoir un peu de nourriture. Même s'il faut le cuisiner derrière. Ouh. Et ça nous permet aussi d'avoir des petites bouteilles avec des lueurs. Une seule, c'est parfait. Sachant que notre objectif est d'aller voir la collectionneuse. Et la collectionneuse va justement nous demander... Eh ben, des objets de collection et les poissons en font partie. Hein, donc, vous voyez, moi, avec mon incapacité à récupérer un poisson, un saumon sockeye, ou celui-là, genre de poisson, je sais pas ce que c'était, mais voilà, je pars avec un sérieux handicap.
C'est juste de la précision, mais... Il faut trouver le bon timing et je l'ai pas encore trouvé. En tout cas, pas pour les poissons très difficiles. Parce qu'il faut trouver le bon timing entre je relâche et ça avance et ça devient rouge et le poisson s'enfuit encore plus. Une crevette. Le matin, on va récupérer ce poisson si on y arrive et sonner la cloche. Ben, on n'y arrive pas, voilà. Alors, notre objectif. Ah ben, ça va être Macha, tout simplement. On va faire simple. On sonne cette cloche. J'aurais peut-être dû cuisiner un peu plus. Alors, bonjour Alice. Non, t'as pas très faim, j'ai l'impression. Et elle veut même pas de câlin. Alors, Summer a un peu faim. Et visiblement... Ah bah oui, voilà. Voilà, ça a beau être une salade, comme je m'en disais, je m'en doutais. Le fait qu'il y a des œufs fait que... Voilà. Donc, voyez, j'ai le brise-glace, donc j'ai pu passer. Ce qui est plutôt cool. Donc on va pouvoir... voir Macha. Nous y sommes. Et elle peut me parler tant que j'ai pas fait ça. Comme je te l'ai déjà dit, Macha et moi, nous nous entendons pas très bien. C'est une vraie pie, elle a déjà fait ses preuves. Et non, elle n'est pas du type drôle. Et oui, elle est bien pire que moi. Mais je n'ai jamais pris plaisir à détruire la vie des gens. Au contraire. D'accord, je devrais être capable de jouer un peu mon rôle ici. Voyons voir si j'arrive à faire semblant. Macha, c'est bon de te revoir, vieille chose. Tu t'es retirée bien plus loin que je croyais. Comment vas-tu ces jours-ci? Bon, bon. Si ce n'est pas Astrid, tu n'as jamais été aussi gentille auparavant. Est-ce qu'Olga t'envoie? Est-ce que je dois comprendre que tu as besoin d'une faveur? Si c'est pour un foulard, désolée ma chérie, mais je viens de donner le dernier que j'ai tricoté à un type sympa dans les montagnes. Mais j'ai encore des chaussettes d'hiver si tu es intéressée. C'est gentil de ta part, mais ce ne sera pas nécessaire, non merci. Stella ici m'a accueilli sur son bateau et m'a construit une magnifique maison pendant que nous traversions les océans. Tous mes besoins sont comblés grâce à cette merveilleuse jeune femme. En fait, ce sont des informations que je cherche. Ma chère, as-tu entendu quelque chose à propos de Giovanni? Je sais que c'est stupide, mais je cherche encore mon paresseux de mari. Olga m'a dit dans une lettre que tu avais une idée où on pouvait le trouver. Oh oui, en fait. Mais Astrid, tu sais que le bavardage, ça ne m'intéresse pas. Olga peut-être, et je ne parle pas d'Irina. Mais moi, oh mon Dieu, jamais. Rappelle-toi quand j'ai dit, sans faire exprès, à Sir Brookwood, comment sa femme rencontrait son cousin dans le petit jardin. Ou quand Madame Frédéric s'est venue se confier à moi à propos de son amant étranger. Tu ne t'en souviens pas? Exactement, c'est parce que je l'ai jamais dit à personne. Oh, Macha, ma chère, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu fais de la chicane entre Sir Langdon et sa femme, à cause de cette personne qui a bavassé à propos de la maîtresse à la bonne de Madame Langdon? Oh,
Et qu'est-ce que tu dis de la fois où le petit Bobby a découvert par accident qu'il a tué Zacharia, son oiseau de compagnie? Oh, oh! Qu'est-ce que tu penses de la tempête causée par les révélations discrètes de la réserve secrète d'alcool fin de Madame Gardner? Et je pourrais continuer encore et encore, ma belle. Je... Mais... C'était différent. Où est-il, machin? Oh, bon, ok. Il est à Lundberg. Il a rencontré quelqu'un. Je ne connais pas les détails. Ce n'était pas si dur, n'est-ce pas? Merci de ton aide, Macha. Ta gentillesse était aussi grande que ton front. Et tu as fait la bonne chose, et je ne l'oublierai pas. Qui sait, tu vas peut-être même recevoir une boîte ou deux de laine fraîchement filée d'ici quelques semaines. Et Stella, juste ici, a peut-être besoin de tes services. Je laisse ça entre tes mains. À bientôt, Macha. Merde, je déteste sa gueule stupide. Je me casse. Eh ben oui, moi je veux bien un petit coup de... Après, si je mets tous mes minerais de fer là, à chaque fois, bah si je veux quand même le faire. Faudra juste que je pense à repasser de temps en temps, quand ils seront sur mon chemin. On va dire que c'est de l'investissement. Tu en as mis du temps. As-tu terminé? Oui. À plus tard. Tout à fait, à plus tard. Le bateau commence à être long à traverser. Et nous, du coup, on va... Eh bien... On doit pas être très loin, je vais vérifier. Alors, on doit pas être très loin. Moins 150, 150. Moins 150. 150. Quelque part par là. Ce qui veut dire qu'on peut, sans trop de soucis, aller aux mines. Explorer un peu. Voir ce qu'on peut y trouver. Et pendant ce temps-là, discuter avec Astrid. Tu as faim? Ah oui, tu as faim. Tu as faim, tu as faim, tu as faim. Je te donne un dessert. Visiblement, un dessert, ça marche aussi. Donc, elle aime les salades et les desserts. C'est parfait. Et du coup, on va pouvoir parler. Bon, elle n'a jamais été gentille. Potinée comme ça, c'est la plus méchante du lot. Mais elle sait parler d'elle. Merci de m'avoir amené ici, Pitchounette. Alors, Giovanni est à Lundberg. Bon, d'habitude, il déteste l'hiver. Allons à sa recherche, Pitchounette. Je veux bien aller à sa recherche, mais d'abord, on découvre les mines Karlstein. Et je vois que mon jardin est déjà plein, prêt à être récolté. Alors, qu'y Oh, attends une seconde. Tu ne peux pas être ici. Cette mine est abandonnée depuis 40 ans. Tu ne peux pas flâner ici. Tu n'as pas l'autorisation de te balader. Mais j'aime ton attitude. Tu as du potentiel pour devenir agente de sécurité. Tu n'as besoin que d'un bon entraînement. Tu sais, je suis allée à l'école pour faire ce travail. Je crois que si tu suis un entraînement, je pourrais te confier un travail. Ça serait utile en fait. Je pourrais prendre une petite pause de temps en temps. Écoute, sors d'ici et entraîne-toi pour ce travail. Fais un double saut, plane, glisse le long de la corde. Tu dois être capable de faire tout ça avant d'intégrer l'équipe. À bientôt, futur recrue. Mais j'ai pas tout ça. Ah non, il me manque glisser. Il me manque glisser. Au moins, on sait. Qu'on peut pas. Et on va découvrir un peu plus la zone. Ah. Première bonne nouvelle, dragon d'aluminium. Et en plus, ça nous découvre un peu plus la zone vers là où on veut aller. C'est parfait. Tu as faim, Charlis? Ah oui, tu as faim. Tu as faim.
Je ne sais plus ce que t'aimes. Tu aimes quoi, ma chère? Aliment à l'ancienne, dessert. Aliment à l'ancienne, dessert. Bah, j'ai à peu près rien qui ressemble à aliment à l'ancienne. Mais du coup, je te donne quand même ça. Je te fais un câlin en plus. Il faudra que je cuisine. Il faudra que je cuisine. On commence à manquer de ressources. Cuisiner en tout cas, parce que des ressources pas cuisinées. La présence de poireaux, de laitue et d'autres choses. Et ben ça, on en a. On va planter une graine. J'ai vu quelque chose passer au loin. On va y être. Je vais même pas réussir à tout planter, tout arroser. Alors je vais peut-être juste aller au verger parce qu'on sait que notre verger, on nous attend. Bon, la personne de je peux pas y aller. Merci. Quelque chose a une odeur différente. Tu ne trouves pas? Oh, comme je pensais. Aide. Aide-le, Stella. Parti pour un petit dragon. D'aluminium cette fois-ci. Donc on va gagner de l'aluminium. Ok, oui, alors si ça se... Voilà. Ouf. Ah, puis forcément, ça se corse. Tous ces bouts qui montent et qui descendent. Grimper sur celui-là. Je dirais presque, c'est un peu dommage parce qu'on vient de croiser Macha. On aurait pu mettre de l'aluminium sur son dos. Parce qu'on sait qu'on va en avoir besoin de l'aluminium. D'ailleurs, pendant que j'y pense, on n'a pas du tout fait l'amélioration du jardin qu'on a trouvé. J'ai même pas regardé ce qu'il nous fallait. Oups. Tombé. Tombé la chobiti. Fin. Et voilà. Incroyable! Il semble soulagé, n'est-ce pas? Je me demande ce que ça signifie. Si nous recroisons ce dragon, je crois qu'il faudra l'aider. Peu importe comment je me sens par rapport à lui. Mais pour le moment, j'ai besoin d'un peu de temps pour reprendre mes esprits. Merci pour tout, Stella. Ah bah, pas besoin de beaucoup de temps visiblement pour reprendre ses esprits. Stella, le dragon, je le croyais finalement plus docile. Comme si nous avions finalement appris à coexister. Ou à s'arranger en tout cas. Mais, en fait, il devient plus puissant, n'est-ce pas? Nous savons toutes deux ce que cela signifie alors. Il est temps pour moi de partir. S'il te plaît, quand tu pourras, emmène-moi au seuil éternel. Ça va aller. Ah, on va devoir dire au revoir à Swammer.
Quand on pourra, en tout cas. Et je pense que c'est sur cette petite note qu'on va s'arrêter là. L'épisode est déjà bien assez long. J'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, on essaye d'aller jusqu'à la collectionneuse. Et je vous dis bye bye!